merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis, tu vas nous dire ce qu'est donc les défis de l'Anthropocène. Eh bien, avec le mot Anthropocène, on peut donner l'impression de vouloir faire savant. Oui. En fait, si j'ai utilisé ce terme-là, c'est parce qu'il va falloir bien le maîtriser. Mm-hmm. Il va occuper nos réflexions pendant certainement très longtemps. Alors, ça peut paraître, comme je disais, un terme un petit peu pompeux. En fait, il est très simple à comprendre. L'Anthropocène, c'est le temps de l'humain. Mm-hmm. Nous savons tous qu'avant nous, il y a eu des périodes, avant que l'homme n'apparaisse sur Terre, il y a eu des périodes qu'on appelait des grandes ères. Il y a eu le Miocène, l'Éocène, etc. Ces époques qui ont vu la vie évoluer sur plusieurs milliards d'années. Mm-hmm. Et ces époques ont vu aussi disparaître un certain nombre d'espèces parce que les conditions n'étaient plus les bonnes, et voir apparaître d'autres espèces. Mm-hmm. Et on a tous en souvenir, même si on n'a pas fait de grandes études, la disparition des dinosaures. Voilà. Les disparitions et les renouvellements sont toujours opérés. Mais c'était uniquement sous les forces de la nature, mm-hmm. les forces telluriques, les forces cosmiques, les mécanismes propres à la Terre, qui est un organisme vivant. Mm-hmm. La Terre n'est pas un simple amoncellement de roches ou de gaz, c'est un organisme qui vit. On a du mal à comprendre ça, mais c'est un organisme vivant qui a même ses mécanismes d'autorégulation, etc. Mm-hmm. Et donc, aujourd'hui, il faut bien reconnaître que l'évolution de cette planète vivante, elle n'obéit plus seulement aux lois de la nature, mm-hmm. mais elle est profondément marquée par l'activité des hommes. Mm-hmm. Les hommes, depuis l'invention de la machine à vapeur, depuis le début de l'ère nucléaire, disposent aujourd'hui de moyens extraordinaires pour exploiter la Terre, comme on le dit. Mm-hmm. Et les mécanismes qui sont mis en œuvre pour exploiter la Terre lui causent des dommages irréparables. Et on voit disparaître donc des milliers d'espèces aujourd'hui à un rythme jamais connu dans l'histoire naturelle. Donc, en gros, tu es en train de nous dire qu'on va dans le mur, qu'on y est, que c'est fichu. Donc, collapsologie, hein, c'est ça? Absolument. Absolument, ça c'est quelque chose. Et donc ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à attendre la fin, quoi. Non. Je crois que l'homme se doit de réagir, et on voit un peu partout de par le monde, justement, des réactions qui se mettent en œuvre. Nous considérons que les plus grandes pollutions, ce ne sont pas seulement celles qui sont dues à la technique, etc., mais elles se logent dans la tête des hommes. L'homme a un cerveau avec deux hémisphères, eh bien ce sont les deux endroits où se logent les deux pires pollutions qui existent. J'ai l'habitude de dire qu'on peut, si on le veut, contrer la plupart des pollutions qui nous entourent, qui nous environnent. On a les moyens, pour la plupart d'entre elles en tout cas, mais celles qui sont là, c'est d'un autre ordre. Un, dans une case de l'esprit, il y a l'indifférence. Eh bien, certains pensent que, après tout, que ceux qui viennent après se débrouillent avec les réalités. Mm-hmm. Et l'autre pollution, c'est la résignation. Oui. On voit bien que c'est grave, et d'ailleurs autour de nous, je constate qu'il y a beaucoup d'amis qui sont un petit peu angoissés. On sent une inquiétude sourde aujourd'hui. Et quand on voit la manifestation des jeunes lycéens, je vais les voir dans la rue, et je vois bien qu'il y a une appréhension du futur. Alors eux, ils ne sont pas résignés, justement. Ils ne sont pas résignés. Ils se mobilisent. Donc, il faut lutter à la fois contre l'indifférence, donc pour ça il y a la pédagogie, il faut lutter contre la résignation, en montrant qu'il y a des exemples positif. Mm-hmm. On ne gagnera pas, à mon avis, en exacerbant les peurs. Oui, ben les oui. peurs, nous le savons, sont mauvaises conseillères. Mm-hmm. Donc on doit s'appliquer à montrer que dans tous les domaines, eh bien, on a aujourd'hui des moyens d'un développement, je ne dis pas durable, parce que l'expression ne me plaît pas, mais mm-hmm. soutenable. Mm-hmm. Ça veut dire soutenable écologiquement, soutenable économiquement, mais soutenable aussi socialement. Mm-hmm. La crise écologique se double d'une crise sociale. Et on ne résoudra pas les problèmes de l'écologie, les problèmes planétaires, si on ne résout pas les problèmes de l'humanité en même temps. Alors, quel est le message que tu veux faire passer ce soir au public qui va venir t'écouter? D'abord, qu'on ne fasse pas la politique de l'autruche, mm-hmm. qu'on ouvre les yeux et qu'on se mobilise en qualité de citoyen. Parce que nous sommes Alors, aussi, comment, par exemple? Nous sommes aussi dans une société que j'appelle... C'est une société qui nous prépare l'univers impitoyable, comme on disait quand il y avait le feuilleton d'Alas, dans lequel
on est peu à peu, on est en train de bannir toute forme de coopération pour les remplacer par la compétition. C'est la compétition qui l'emporte sur la coopération. Or, la nature elle-même nous le montre, dans la nature, il y a davantage de force, de coopération, de mutualisation, de symbiose, d'amitié, etc., que d'opposition. Et ça doit être comme ça entre les membres de la grande famille humaine. Donc finalement, tu invites l'humanité à s'inspirer des lois de la nature dans son fonctionnement. Aussi que la Terre, la seule demeure des hommes, nous devons de plus en plus la considérer comme quelque chose qui nous dépasse. Et je suis frappé de voir que de plus en plus de penseurs, qu'ils soient athées, agnostiques ou croyants ou incroyants, peu importe, eh bien, on arrive à dire que nous devons de considérer notre seule demeure, notre patrie, comme dit Edgar Morin, cette notion de patrie, on doit la considérer comme quelque chose de sacré, parce qu'on lui doit un infini respect. Oui, tu as écrit deux livres sur ce sujet, donc « L'appel de Gaïa » et « La colère de Gaïa », qui sont effectivement une reprise de ces thématiques. Voilà, je me suis mis à la place de la Terre, qui vient nous dire toute sa surprise de voir que nous, ses enfants, alors qu'elle nous donne tout gratuitement, nous sommes en train de la détruire sans discernement. Et sans se rendre compte que ça se retourne contre nous. Ça se retourne contre nous. Voilà. Et donc, l'anthropocène, bien voici venu le temps de l'humain. Il est temps de prendre conscience qu'on occupe une place particulière sur cet espace parce qu'on a la conscience. Et donc, on a une responsabilité supérieure, bien sûr, à celle de tous les êtres qui nous entourent. Mais on doit partager un sentiment de solidarité avec l'abeille, avec le ver de terre. Et pour ça, il faut comprendre comment fonctionne la planète. Or, les citadins que nous sommes de plus en plus, ignorent tous les mécanismes du fonctionnement de la Terre. Donc on a tout un travail de pédagogie. Si les gens comprenaient mieux le rôle des vers de terre et le rôle des insectes, probablement qu'on utiliserait moins de pesticides. Oui, ben, cette démarche est en cours quand même. Hein. Oui, Il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de la menace qui pèse sur la biodiversité. Ça, je crois que depuis, disons, en gros, depuis les années 70, on voit quand même un changement d'état d'esprit qui s'opère. Tout à fait. Les écologistes étaient pris comme de doux rêveurs il y a deux générations. Aujourd'hui, on s'aperçoit que leur contribution est essentielle. Il n'y a qu'à voir les politiques. Aujourd'hui, il n'y a plus un discours politique sans une référence plus ou moins heureuse à l'écologie. Oui, oui, c'est ça. Bon, eh bien, merci Jean-Claude. On va t'écouter avec beaucoup d'intérêt. Eh bien, merci beaucoup. Merci de votre invitation.